on va espérer qu'aujourd'hui, ça ne bug pas. D'accord? On peut le faire, espérons tous ensemble. I want to believe! Coucou! Comment vous allez? Alors, et aujourd'hui, on doit y croire, hein. Aujourd'hui, on y croit. Oui, parce que, alors, si vous êtes en team rediff sur YouTube, il y a un épisode que vous n'avez pas vu, parce que ça buguait trop, et donc j'avais stoppé le rec en même temps. Donc, on va espérer qu'aujourd'hui, je puisse rec, et que ça puisse être en direct sans problème. Hein? Mais j'ai baissé la qualité de l'export, et j'ai changé d'encodeur, donc normalement, ça va et vous? Quoi de neuf? Alors, aujourd'hui, j'ai une envie particulière. Pour ceux donc, qui étaient là la dernière fois et donc pas forcément Team Rediff, notre petite jeune fille, Madame Triton, avait crushé sur... Il est où? Il est où? Il est là. Sur ce garçon. Makoa Keolaea. Je crois que c'est lui. Je suis même pas sûre. Je crois que c'est lui. Et du coup, le problème, c'est que Makoa, il est marié. Et j'ai un petit peu peur parce que je vois qu'il y a un enfant. Donc je me suis dit, on va enquêter, voir un petit peu Makoa, sa situation, tu vois, parce qu'il nous a quand même dragué, hein, il nous a quand même fait du rentre-dedans, nous on a flirtouillé, on s'est pas embrassé, parce que je savais qu'il était marié et que la meuf elle avait été sympa avec moi. Mais aujourd'hui on va aller enquêter un petit peu, genre comment se passe la famille, comment ils s'entendent, etc, tu vois, la base. Et ce que j'aimerais bien faire, c'est éventuellement relooker certains endroits ou voir si je peux pimper certains trucs. Par exemple, typiquement, la plage des Simflouz, là. On est allé se balader là-dessus la dernière fois, il n'y a rien. On se fait chier, je veux dire, il y a un feu, mais tu veux faire pipi, t'as qu'à te pisser dessus. Non, non, il y a des petites choses, à... ça me permettrait d'entraîner un petit peu à la construction, ce qui ne serait pas négatif non plus. Du coup, on va aller d'abord, priorité, voir la famille de Coco, là. Ils ont une belle maison, hein. Ils ont une belle maison. Merci pour le follow, HTTPS Deva. Voyons, alors attends, déjà, news sur la famille. Déjà, on va peut-être en savoir un peu plus. C'est lui ou pas? J'ai un doute, mais je crois, hein. Je crois c'est lui. Les Kealoa représentent parfaitement Sulani, une jeune famille travailleuse, accueillante et soudée, très attachée aux traditions des îles, consistant à honorer le passé, tout en s'efforçant d'assurer un avenir radieux à toute la communauté qu'elle considère comme sa deuxième famille. Un petit peu trop, si tu veux, mon ami, Jean-Baptiste. Bah écoute, on va aller voir ce qui se passe chez eux. On va aller voir ce qui se passe chez eux. Je suis pas sûre que ce soit lui. Mais... on va enquêter. On va enquêter. Exactement, nous partons en mission de stalkage. That's the point. J'espère... Mais à mon avis, ça pue, hein. Alors, donc, on est là, nous. Il a l'air très heureux. Il est très heureux. Écoute, j'en suis ravie. C'est le réveillon. Bah oui, c'est le réveillon, tu viens de... Mais oui, mais c'est clairement lui. Attends. Mais oui, regarde, c'est nous. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Regarde, yep. Attends, t'emballe pas, Einstein. Regarde, il y a un petit peu de fleur tout. Il y a du fleur tout. Oh. Qu'est-ce qu'il pense de nous? Oh là là. Oh là là. Oh là là. Intérêt réciproque, c'est un peu tôt pour se prononcer, mais il pourrait bien y avoir quelque chose entre ces deux Sims. Il y a des bons moments qui rapprochent et plus proches grâce à des souvenirs heureux. Ah là là, c'est chaud. Alors du coup, il est marié ou pas, Coco? Comment on sait ça? Je suis en train de stalker, pour ceux qui viennent d'arriver. Je suis en train de stalker... Ah, et mon stream a quand même des galères. Bon, ça, au moins j'ai pas d'image perdue, c'est déjà pas mal. Je suis en train de stalker
un gars qui a flirté avec ma meuf, mais il est marié. Alors attends, donc lui il est enfant de l'océan, actif, très famille, ambitieux et sociable. Bah tu m'en diras tant, écoute mon grand, c'est cool. Ok, il n'aime pas le violon, il n'aime pas la musique classique et il aime le jaune. Écoute, j'en suis ravie pour toi. Ah, il n'est pas très aimé. Il y a peut-être un... Il y a peut-être un... Peut-être une raison, j'ai envie de dire. Potentiellement. Enfin, non mais je sais qu'il n'est pas célibataire, je le sais, hein. Il est marié, je sais, mais je veux voir comment il s'entend avec sa femme, c'est ça qui m'intéresse. Merci pour Dynamite pour le follow. Oh là là, l'image elle saccade encore, hein. J'aurais pas dû baisser les... J'ai fait une expérience, j'aurais pas dû. Bon après, il n'y a pas eu beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de pertes, mais il y a quand même des petits moments de lagounet, mais bon. Dites-moi si vous voyez que ça lagouille trop, hein. Dans ce cas-là, je quitte et je reviens. J'ai baissé les trucs, mais j'aurais peut-être pas dû. En gros, j'ai l'impression que c'est dès que je bouge une image que ça lag, donc ça va être un problème. La généalogie, du coup. Putain, il a un enfant. Oh, shit. Il a un enfant. Oh, c'est la catastrophe. C'est quoi ça? Bon, je m'en fous. Du coup, il pense quoi de sa femme? Oh là là! Alors, elle est proche de sa famille joyeuse. Mais en plus, elle est gentille, sa femme! Elle est gentille! Genre, elle était sympa avec nous! Genre, ils sont âmes sœurs! Mais non. Après, on est plus proches, nous, techniquement. Genre, ils sont âmes sœurs et ils essaient de nous pécho. Et sa fille? Ils sont bons amis. Elle est charmeuse. Eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc, ça y va. Ouais, non, mais clairement. Oh, tant pis, on se met pas avec lui, hein. On trouvera un autre gars, notre meuf, hein. Mais c'est un crevard, lui, hein. Ah, je suis dépit, hein. Ah là là! Attends, je retourne sur le monde, du coup. C'est peut-être un charreau? Non, mais je refuse. Ouais, hey, c'est chelou, quand même, hein. Attends, je suis perdue. Je suis perdue dans mes mondes. C'est là. Du coup, ce que je voulais faire de base... Je suis une horrible personne dans les Sims, je brise toujours les coupes. En fait, ça me gêne pas de briser les coupes, mais là, ça me gêne, parce que elle est Mims. Tibou tue des gens, essaie de pêcher la mort elle-même. Aussi, Tibou s'offusse de faire draguer avec... Non, 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 non. Ça me gêne pas de me faire draguer par un mec marié si, genre, ça va pas avec sa meuf, ou que, genre, c'est compliqué entre eux, ou que, tu vois, qu'il y a une raison. Mais là, ils sont trop mignons, et puis sa meuf est trop gentille. En fait, ce qui me fait gêner, c'est que sa meuf, elle nous a rendu service. Elle a grave veillé sur nous et tout. Ça... Non, 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 c'est pas le bon gars. Moi, je me tape pas celui-là. Hein. Mais du coup, oui, voilà, je voulais essayer de pimper un petit peu le bar et la plage. Hop. En mode construction. En plus, c'est les voisins. Oui, c'est pas grave. Truc que je ne fais jamais. Peut-être parce que je n'ai aucune compétence dans le pimpage. Hein. Et c'est pas de la fausse modestie. Hein. C'est vrai. Clairement. Mais du coup, ouais, j'avais envie de voir un petit peu pour améliorer, pour voir un peu ce qu'il y avait dans la collection, dans les trucs et tout, tu vois. Et puis j'avoue que le mode connect... en fait, le monde construction, à part faire des rectangles et faire des pièces à l'intérieur, je fais jamais rien. T'en sais rien, peut-être que quand dans l'intimité de leur foyer, elle oblige à manger que des choux de Bruxelles avec des endives. Non, il y a marqué qu'ils sont âmes sœurs, donc il est heureux, Coco. Tu vois, c'est... Alors du coup, le petit barounet... En vrai, c'est trop mignon comment c'est fait. Tunnel infini. Ah bah oui. Ah bah oui. Clairement. Du coup, là, on a les petites toilettes. Bon, elles sont pas incroyables, mais... Alors, le sol est pas beau, si je peux me permettre, sans vous offusquer. Un petit sol...
Un petit sol. Alors attends, je sais plus comment on fait pour faire la pièce entière. Ah, je crois que c'est ça. Un petit sol en bois, c'est quand même plus chaleureux, hein, parce que là, ça fait vraiment très béton. Un petit sol en bois. Ma journée s'est très bien passée. Je suis allée en ville ce matin. Et je me suis promenée, j'ai fait un peu de shopping. Oh, celui-là, il est joli. Petit sol en bois sympa. Après, ça c'est quoi du coup? On peut avoir le nom des trucs ou pas? On peut mettre... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans un bar qui peut être sympa? Un truc de chant peut-être? Un truc de karaoké? Ah, oh, c'est pas toujours marqué qu'ils sont âmes sœurs quand même. C'est pas toujours marqué. On peut mettre un truc dehors, clairement. Alors peut-être pas un barbecue parce que ça va faire concurrence avec le bar. Mais on peut mettre un petit truc... Je pense qu'on peut mettre un petit truc dehors. Il y a des fontaines. Non, mais il y a en fait, je suis tellement jamais allée là-dedans. Viens, on met une piscine. La vie qui... Une petite piscine près de la mer. Avec genre de quoi faire la fête à côté et tout. Ça va rajouter un petit truc quand même. C'est quoi tout ça? Bordure de piscine. Oh, mais ça n'existait pas de mon temps, ça. Ça fait très longtemps que je vais regarder, hein. Une eau saumâtre. Ah oui, ça c'est pour les étangs, c'est ça? Ah non, c'est l'eau de piscine. D'accord. Waouh. Ah ouais, en vrai, ça peut faire un petit glow-up. Une petite piscine, tu vois. Piscine en plus de la mer. Mais il y a toujours des piscines en plus de la mer. Regardez dans les hôtels de luxe. Genre au bord de la plage et tout. Genre une petite ici. Ou alors une esplanade. J'ai trop envie de faire plein de trucs. En fait, comme je connais pas, en plus, je découvre de ouf. Alors voyons voir. Attends. Est-ce qu'il y a un truc extérieur? Ouais, il y a un truc extérieur. Meubles extérieurs. On a un gros choix de... Oh, pas si gros que ça en fait. Très joli canapé. Ah, mais on est loin en fait. On peut faire... Alors, on peut faire un petit coin piscine. Et un petit coin canapé. En plus, le canapé comme ça en bleu est très joli. Mais il faudrait une terrasse en dessous, hein. Attends, déjà, je vais mettre mon canapé parce que j'aime bien mon canapé. Et l'autre, il est comment? Oh, non, non, celui-là est plus... Celui-là, il fait plus... Terrasse de bar, tu sais. Enfin, terrasse de truc de... De luxe. Coucou, petit live après avoir terminé le travail. Coucou! Ah, attends, du coup, ouais, ce que j'aimerais bien... Les sols... D'extérieur. Attends, je suis déjà perdue, c'est bon. Ça, c'est les pièces. Bon, je pense que c'est là. Voilà, c'est là. Il y a un truc de terrasse, genre. Un truc exprès. Maçonnerie, ça donne quoi? Pourquoi il met ça comme ça? Doit être appliqué à une pièce. Ah! Je peux pas le mettre dehors? Pourquoi? Ah mais oui, c'est parce que je suis en mode piège, je suis con. Voilà, c'est bon. Pierre. Un petit truc en pierre, ça peut être bien stylé, hein. Tu vois ce que je veux dire? Genre bim. Bim. Je verrais bien un truc. Et genre là, je mets la piscine. Tu vois ce que je veux dire? Je me propose en tant que serveur pour ce superbe bar. Je vais faire une terrasse avec les plateformes. Ouais, alors attends, je vais essayer de trouver comment faire. Demi-mur, moulure pour... C'est quoi demi-mur? Bordure de plateforme. Attends, on parle chinois quoi. Attends, c'est quoi ça? On va faire des essais, hein. Ah bah oui, il faut d'abord que j'ai une plateforme. Demi-mur. C'est quoi un demi-mur? Demi-mur à peine là. Quoi? Doit être appliqué à une pièce. Ah, il faut déjà que j'ai une pièce. Ok, donc là on a des trucs. Ah, forme. Attends, ça doit être ça du coup. Octogone. C'est pour casser des bouches. Terrasse triangulaire. Ah, ben voilà, terrasse triangulaire, c'est ça que je veux. Mais je peux pas faire plus grand que ça. Parce que là c'est vraiment très petit. J'ai compris. J'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Non, attends, je vais mettre mon canapé là. Et... J'ai compris, je crois. Attends, genre si je fais comme ça. Oh, dans quoi je me lance? C'est une terrasse, ça? Là, c'est une terrasse. Ok, d'accord, donc c'est comme les murs, comme les pièces faites.
Mais c'est pas ça que je voulais, moi, ce que je voulais, c'est l'élever. Comment on fait pour... alors, peut-être plateforme. Je fais des essais, hein. Là, j'ai une plateforme, ok. Ok, on avance. On avance un petit peu. Là, je la monte beaucoup. Là, c'est une grosse plateforme. Ok, je vois. I understand. Enfin, I understand, but c'est pas ce que je veux, quoi. Je vais y arriver, hein. Bah, ça va être long, ça va être très long. C'est possible. Comment on fait pour enlever le sol, déjà? Parce que du coup, j'aimerais bien l'enlever, là, il me stresse. À moins que je puisse mettre ma plateforme à la place. Oh, il y a même de l'herbe! Oui, j'en suis à là, hein. C'est-à-dire que moi, je ne sais même pas qu'il y a de l'herbe. Pièce carrée, terrasse carrée. Oui, moi, j'ai une terrasse, mais... Attends, sinon, je fais ça. Genre... C'est dur de se rendre compte, hein. En haut, t'as un petit marteau, tu peux cliquer dessus. Petit marteau. Ah oui! Ah oui! Bam, 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 bam. Mais bon, j'ai cliqué dessus. Salut, Anya! Alors, attends. Plateforme arrondie. Là, en gros, moi, ce que je veux, c'est une plateforme... Waouh, c'est grand! Mais en vrai, ouais, en vrai, c'est ça que je veux, hein. Mais moins haut, quoi. Ouais, voilà, c'est bien, ça. C'est bien, ça. Par contre, faut peut-être mettre un petit escalier. Après, je... Genre, je la mets un peu plus haut. Hop. Oh, ça fait un peu, genre, le coin VIP, tu sais. Mais il faut que je trouve comment on met un petit escalier. Et là, je peux mettre le truc dessus. Trop bien. Ok, j'ai ma plateforme. Genre de beau gosse. Je mets mon petit canapé. Toi-même, tu sais. Satisfaisant. C'est très satisfaisant. Alors, attends. Comment on fait? Il faut un petit escalier, du coup. Est-ce que je peux mettre n'importe quel petit escalier ou il faut un petit escalier attitré? Un jacuzzi. Oh, bonne idée, le jacuzzi. J'avoue. C'est mieux un jacuzzi qu'une piscine, peut-être. Peut-être, du coup, on va mettre deux jacuzzi ou un très, très gros, tu sais. Où est mon canapé? Mon canapé de luxe. Ah, il est là. J'adore cette couleur. Hein. J'ai kiffé tout de suite. Il va me falloir une table basse aussi. Peut-être le jacuzzi là, ça peut être bien. Et du coup, comment on fait pour mettre les petits escaliers? Vous m'avez peut-être pas dit, mais attends. Normalement, ça doit être là-dedans. Là, il y a des petits escaliers, là. Oh, je crois que j'ai trouvé les petits escaliers. Hein. Oh, ça marche! Ah, je me suis un peu réjoui fort, là. Je... Si, c'est bon. Mais pourquoi il... Oula, oula, il va où, là? Eh, redescends, Marcel! Comment il tourne? Comment tu tournes? Oh, c'est virgule, j'ai trouvé. Hop. Oh, ça marche! Pardon, je suis juste heureuse. Ok, j'ai trouvé les petits escaliers. On va garder en pierre, mais alors peut-être une pierre un peu plus foncée. Mon canapé! Ben non, Marcel! Mon canapé! Il m'a volé mon canapé! Oh là là, ce petit coin VIP! Oh là là! S'il y a de la pluie. C'est vrai. Il faut que je... Oui, c'est un détail qu'il faut penser. On doit pouvoir faire un truc avec la pluie. Attends, attends, laisse-moi remettre mon canapé déjà. Parce que j'ai perdu mon canapé, ça ne va pas. Ah, je peux plus le mettre là du coup. Bah oui, elle... Ah bah oui, elle est... Bah attends. Voilà. Je veux mes deux canapés. Ou alors je mets un fauteuil. Il y a aussi le petit fauteuil assorti qui est pas mal. On va mettre le petit fauteuil. Attends. On va mettre le petit fauteuil. Ça fait genre, là il y a le couple qui se bécote et là il y a le meilleur pote qui regarde, tu vois, qui se fait chier. Hop. Et on va mettre un autre fauteuil pour le pote du meilleur pote. Non, c'est horrible. Oh non, non, je peux pas faire ça. On dirait qu'ils se regardent les yeux dans les yeux et tout. Je peux pas leur faire ça. Je peux pas. Alors, j'ai vu que là, il y avait des petits poteaux. Est-ce que je pourrais mettre des petits poteaux? Alors, oui. Je visualisais pas forcément... Oh, c'est des beaux poteaux, ça. Tiens, la chandelle. Bah oui. C'est ça.
Un autre? C'est bien, il s'est bien mis. Il est haut comme poteau, hein. Mais. Hop, ok. Est-ce qu'après on peut mettre un truc entre les poteaux? Ça, je ne sais pas. Là, j'essaie des choses, mais. Est-ce qu'il y a... Attends, mais il y a ce poteau-là. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de. Oh, magnifique! Et entre deux, là? Oh, je suis une artiste. Alors, par contre, ça, c'est dans le vide. C'est pas. C'est pas. Mais il faut ce qu'il faut, hein. Je vais peut-être mettre des poteaux là, du coup. Parce que, du coup, là. Où sont mes poteaux? J'ai perdu mes poteaux. C'était eux, je crois. Non, pas du tout. C'était eux, non plus. C'était eux, non. C'était eux. Oh, ils sont jolis, cela dit. Mais mes poteaux! T'as trouvé. Ah, je sais, il faut faire la petite éprouvette. Pour trouver le poteau. Voilà, j'ai trouvé le poteau. Est-ce que ça suffit ou. Les colonnes de poteau. Ah, du coup, ça m'a tout annulé, quoi. Ok. Ah oui, mais non, du coup, ça va pas du tout, mon poteau. Pourquoi il reste pas? Ah, c'est parce que, genre, c'est comme les murs. C'est dommage qu'il y ait ces petits trucs qui pendouillent là. Depuis que je te connais, le mot poteau a une connotation super négative. Mais non! C'est con, hein! Ah non, mais du coup, je vais pas mettre ça. Est-ce que. Genre ça? Ah, c'est plus simple. Mais c'est pareil. Il y a le truc qui pendouille. Et tu veux pas me transvaser là comme ça tout de suite? Ouais, mais non, parce que ça serait con parce que oui. J'ai cherché la. Faut dire que j'ai cherché la complication avec une plateforme ronde. Pourquoi j'ai pris pas un truc carré, je ne sais pas. Je pense que je vais devoir refaire, hein. Mais avec une plateforme ronde, parce que là, je me complique la vie. Par terre, les canapés. Ça va pas être long, ça va pas être long. Paniquez pas. Parce que là. C'est chiant le côté arrondi, en fait. C'est stylé, oui. Mais c'est relou. Tu vois ce que je veux dire? C'est. J'ai voulu faire. Voilà, mais voilà, j'ai trouvé ça stylé, ça l'était. Ça l'était! Mais. Comment on pivote le truc? Non, c'est pas ça. Ça fait comment on pivote? Il est joli, mais. Oh, attends. Non, c'est pas ça que je veux que tu fasses. Je voudrais qu'il tourne. Tu vois ce que je veux dire? Tu le places et je vais pivoter après. Ah! Thibaut, quelques petits tips qui peuvent être utiles. Tu les connais peut-être, je sais pas. Oui, je connais les codes, je connais. Je connais, je connais. Enfin, je les connais pas tous de tête, mais. Il est petit. Non, mais je vais l'agrandir. Je vais l'agrandir, mais. J'arrive pas à le pivoter. Je veux qu'il pivote. Eh, dis donc. Mais non. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Il y a ça. Ah, tiret, virgule. Ah, tiret. Non, virgule. Ah, il pivote pas en fait. Il reste de biais. D'accord. Ah, bah oui, attends. Voilà, c'est ça qu'on voulait depuis le début. C'est moi qui suis con. Voilà! On l'a notre plateforme, magnifique. On va monter un petit peu. Oh bah on est au-dessus du bas peuple. Là c'est la plateforme où il faut payer un supplément pour aller dessus, hein, je vous le dis direct. Il n'y a pas tout le monde qui peut aller dessus. Hein. Non, 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 Marcel. Lâche-moi, lâche-moi! Ah, par contre les poteaux ça reste encore assez flou. Hein. Genre une fois que je l'ai pris, il me lâche plus quoi. Hop. Et le dernier. Hop. Ah, ça va être beau, hein. Ah, ça va être beau, hein. Petits escaliers. C'est ma première création, hein. Je tiens à le dire quand même. C'est la première que je fais de ma vie, hein. Et ça se voit. Oui, bon, ça va. On ne juge pas, hein. Du coup, je peux reprendre mon joli truc là. Oh, c'est trop beau, j'adore.
Par contre, j'aimerais bien qu'il y ait un toit. C'est vrai que ça pourrait être bien. C'est joli comme ça, hein. Mais s'il pleut, ils se prennent tout sur la gueule quand même. Je pense pas que ce soit trop petit. Mais non, c'est une terrasse. C'est pas trop petit. On met là, et puis là, on met le coin jacuzzi. C'est nickel. Oh, Queenie, t'es Mims. C'est gentil de m'encourager. Mais du coup, ouais, j'aimerais bien mettre un toit. Oh là là, il existe trop de choses. Il existe beaucoup trop de choses dans ce monde. Ou alors, attends. Ou alors, je mets des feuilles. Genre, tu sais, des plantes grimpantes au-dessus. Non, c'est pas possible. Ça pourrait être grave stylé, ça. Je peux pas mettre de l'herbe en hauteur, je suis déception. Ça pourrait être trop une bonne idée. Bien sûr, Lisande, bien sûr. Pendant que Thibaut fait des mini patios, certains font des châteaux. Oui, et ben pendant que Thibaut fait des mini patios, certains font rien du tout aussi, hein. Donc c'est toujours facile de critiquer. Mais dans ce cas-là, bougez-vous le cucu, hein. Pourquoi il n'y a que ça comme plante? Il y en avait plus avant, non? Ou alors elles sont toutes là? Bah non, il n'y a pas grand-chose en fait. J'aurais trop kiffé mettre des plantes sur le haut. Il faut construire des murs pour faire un toit. Oui, logique. Non, mais t'as raison, il n'y a pas besoin de... Il pleuvra pas. Franchement, les détails comme ça, de la pluie et tout, surfait. Totalement surfait. J'aimerais bien des torches. Voilà. Oui, alors, pas aussi grosses que ça quand même. Des petites torches. Des torchounettes. Waouh! Ah oui, ah, ils y vont niveau déco. Poteau à lanterne. Oui, non, mais arrêtez avec les poteaux, ça va, à un moment, les poteaux. On est bon avec les poteaux. Ah oui, ils aiment bien les poteaux, hein. Lampadaire artisanal. En vrai, c'est stylé. Hein. J'aime bien la torche. Attends, si je tape torche, je tombe sur autre chose ou il n'y a que ça? Non, il y a d'autres trucs. Oh, c'est joli ça. Je manquais de place. Vous aviez raison. Ne vous inquiétez pas. Bon, là, j'ai peut-être un peu exagéré. Mes poteaux! Parce que je n'abandonne pas, hein. Non, c'est pas ça que je vais faire. Ah bah, direct, il s'est mis tout de suite. Magnifique. C'est bon, c'est resté. Ah, ça s'est remis tout seul comme un grand. Magnifique. On est content. Hop. Torche, je pense direct à Koh-Lanta. Ouais, normal. Bon, on est quand même loin de l'ambiance de Koh-Lanta. Hein. Là, on veut plutôt quelque chose de. Tu vois. Là, je fais un glow-up au bar, quoi. Torche, du coup, il y a celle-là. Bah, sinon, ça va être elle, hein. Mais c'est moche. Il n'y a pas d'autre couleur. Si. Ouais, non, parce que je veux bien un peu de folklore, mais. Je suis pas emballée, hein. Je suis vraiment pas emballée par ces torches. J'ai pas. Arbre à citrouille, torche. Ah, il y a un petit charme. Mais j'aurais vu quelque chose d'un peu plus sauvage. Une vraie torche, quoi. Ouais, pourquoi pas ça. Ouais, mais ça, c'est des trucs de sorcière. C'est pas. C'est pas des torches, ça. Ça brûle, ça? Ça fait du feu? Ça, c'est de la lumière? Vous y croyez? C'est très limité en torche. Oui, bah c'est un. Hey, c'est fort dommage. Bon, bah sinon, on part là-dessus, hein. Ça a un côté. Bon, plus witchy vibes, mais bon. À choisir. Non, parce que ça. Non. 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 Ça ne passe pas. C'est pas. Il y a des trucs, des fois, ça passe. Mais là, soyons sérieux un instant, s'il vous plaît. Il me faut une table basse. J'aimerais bien une table basse.
Une table basse qui colle avec la déco ambiante. Alors attends, qu'est-ce qu'il y a dans l'extérieur? Parce que l'extérieur, il n'y a pas de mobilier. C'est ça que tu es en train de me dire. Il y a des canapés. Et canapés, il y en a un. Hein. Mais tu bouffes pas. Tu bouffes sur le pouce, c'est ça que tu es en train de me dire. Oui, c'est complètement ça que tu es en train de me dire. D'accord. Non, mais ça me fait plaisir. C'est cool. Et si je vais dans. C'est les fontaines. Et ça, c'est les pièces. Ouais, non, il n'y a pas de petite table tas d'extérieur? C'est bizarre, non? Bon, on va en prendre une là, hein! C'est Mimi les torches croisées. Ouais, mais bon. Ça fait plus. Le but, c'est de se pouvoir se pécho, tu vois. En même temps, les Sims crament pour un rien, donc les torches, c'est pas prudent. C'est pas faux! C'est pas faux. Alors, une table basse. Oui, non, mais non. Le but, c'est pas de faire en poulet. Le but, c'est de. Non, pas du tout, pas du tout. C'est design, ça on peut pas l'enlever. Ça, c'est non, ça c'est clairement Ikea. Trop design. Je veux du charme, je veux de la, je veux de l'affect, je veux. C'est joli ce truc. C'est. J'aurais bien aimé un truc en bois, un peu rustique. Oui, alors qu'il fasse pas la taille d'un trampoline non plus. Non mais, oh c'est joli cela dit. Mais mon jacuzzi là, je me le fous dans le baba, hein. Non mais ça mais en plus petit quoi. Ah mais il n'y a pas un truc pour modifier les tailles des objets normalement? Il me semble que normalement il y a un truc pour ça. Attends, je vais chercher. Parenthèse. Oh mais il faut que je suppose qu'il faut d'abord que je fasse le truc de tchou. Ah non c'est bon. Oula, par contre. Alors oui alors. Comment je l'aurais agrandi? Là, c'est devenu un pouf pour lutin. Et comment je le remets maintenant? J'ai réussi à le diminuer, hein, je. Il est minuscule! Il est minuscule! Pour agrandir ses schlouks, ok. Oui! Oh, je t'aime! Encore un peu. Voilà, là c'est bien! Attends, je peux faire plus? Wow! J'adore ce pouvoir! Oh, mais ça peut faire une maison! Est-ce que quelqu'un a déjà fait une maison comme ça? Oh là là! Mais tu mets ça sur un terrain et les gens ils habitent en dessous? Mais ça change ma vision du jeu! Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est incroyable! Voilà. Bon, là, en l'occurrence, c'est ça que je veux. Mais. Oh là là! Oh là là! Il n'y a même pas besoin de. Oui, il y a aussi. Alors, je connais le BB Move Objects, là. Mais. Ça, il n'y a pas besoin, du coup, de l'avoir activé pour l'utiliser. À tester. Ah non, mais clairement, je vais le mettre en truc géant, en maison, ça. C'est génial! C'est génial! Je vais faire ça. Attends, mais j'ai envie de faire ça avec tout maintenant. C'est scandaleusement abusif. Regarde, c'est tout petit. Et là, c'est tout grand! Mais c'est sans fin en plus! Oh, t'imagines, tu veux mettre un arbre géant? Oh là là, mais c'est trop bien! Non, mais non, diminue maintenant, Coco. Ça a changé ma vision de la vie. Voilà. Thibaut veut enfermer des gens dans des torches. Mais c'est trop bien! Les Sims sont bloqués comme si c'était une pierre, ils savent pas passer. Ah, c'est cul! Bienvenue Géro! Et bienvenue H-Punch! Et bienvenue à tous ceux qui sont arrivés d'ailleurs. Du coup, ok, j'ai ma petite table basse. C'est bien, on est content. Non, je veux pas de ça, je veux pas de ça. Je vais te faire compte une petite plante. Une petite plante. Ah, je peux pas la mettre dessus. Ah oui, elle est déjà sur son petit pot. C'est trop gros comme plante. Bah oui. Petite plante. Ah, oh, ça c'est. Oui, mais ça fait trop hôtel, tu vois. Manque de. Ça manque de charme. Ça manque de personnalité. Oh, joli! Il y a des jolis trucs, hein! Ça fait très hôtel aussi, ça. Non, je veux quelque chose d'un peu sauvage, tu vois. D'un peu organique. On n'aurait pas dû lui montrer ça.
C'est pas faux. J'ai découvert un nouveau monde maintenant. Des tournesols, ouais. Ah, c'est peut-être un peu mieux. Ouais. Oui, alors, on va se détendre. C'est, tu sais, c'est quand même très aseptisé, hein. Alors, je suis désolée s'il y a quelques petites latences, je re-réglerai pour la prochaine fois. Hein. Il faut que je tâtonne jusqu'à trouver le réglage parfait. Ah, bah c'est ça! Que j'aurais pu mettre sur le toit, peut-être. Ouais. J'ai envie de m'amuser 2 secondes. Pardon. Ça, non, mais je viens de découvrir. Je viens de découvrir, il faut le temps que je me lasse. Comptez quelques années, hein. Dans 2 ans, c'est bon. Dans 2 ans, je m'en balèque. Un peu abusé, Marilyn. C'est pas exactement centré, si je peux me permettre. C'est un peu prout-prout, mais en même temps. Voilà. Alors, je vais faire le code que vous m'avez dit, là. Faut que je me rappelle. Je sais plus comment on le. Attends. Code Sims 4. Je me rappelle plus comment on l'active. Contrôle mage C. C'est ce que j'ai fait. Ah non, c'était pas. Oups. Non, pas sur. Faut pas le faire sur Mozilla, par contre, ça n'a pas de sens. Hop, 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 hop. Hop. Non, pas toi, toi, reste là, mon canapé. Voilà. Après, il faut faire testing true, testing cheat on. Hop. Magnifique. Et il me faut le move object mon cucu là. Attends, je vais le prendre dans le chat, je pense. Ça sera plus simple pour moi. Merci, Guéro. Hop. Yeah! Voilà. Et du coup, là, normalement. Bah, ça me change rien, hein. J'aimerais bien le mettre pile au milieu, en fait. C'est possible ou pas? Je veux trop. C'est juste pour ça que je l'ai fait, hein. Je veux qu'il soit pile au milieu, c'est super stressant là. Tu t'amuserais bien en faisant la maison d'Alice au Pays des Merveilles avec ce pouvoir. Oh grave. Ah mais attends, mais il vole. Mais attends. Mais non, mais mets-toi au putain de milieu. Ça flotte parce que la table est rétrécie. Ah! Ah bah attends, si ce n'est que ça. Mais c'est quand même pas au milieu, hein. Il me courrousse, hein. Bon bah voilà, comme ça c'est vraiment. Bah c'est bien. C'est ça que tu veux. C'est moche. Appuie sur 9. Je vais découvrir un nouveau pouvoir. Il se passe rien. Faux pouvoir, faux. Je veux que t'ailles là. Attends, je vais. Si je le demi. Genre, il va être tout petit. Même tout petit, il rentre pas dessus, hein. De toute façon, je te trouvais moche. Honnêtement, j'ai pas de mytho, hein. Voilà. Et là, c'est bon, là. Là, c'est en plein milieu, hein. Là. C'est en plein milieu. Voilà. Moi, ça me fera plus chier. Au moins, on la voit bien. Bah oui! Et voilà, décentre-toi. N'importe quoi. Réagrandis la table et la plante. Bah, j'ai pas envie. La table, elle est trop grande sinon. Maintiens halt en te déplaçant. Il se passe rien. Il se passe rien. Franchement, j'adore. Et c'est un style, hein? Halt en même temps que tu bouges l'objet. Je peux pas être plus précis, j'arrive pas à être plus précis. Peut-être l'autre halt? Non. Je
J'en peux plus, je suis hilar. Tu vas péter la touche accent. Mais non! Il faut que tu décales la table et fais le dessin avec 0 parce qu'avec la table en dessous, ça automatise l'emplacement. Il faut que tu décales la table. Je décale la table. Attends, sinon je réagrandis la table. Hop, attends. Hop. Lui, il va dessus. Là, il va dessus. Est-ce que là? Non. Je peux pas. Genre. Diminuer l'ensemble? Non, pas toi. Mais non! Toi, ça aurait été bien que je puisse diminuer l'ensemble. Là, il est en plein milieu, moi, ce que. Cette table, elle est trop grande! Décale la table, maintiens Alt, et ensuite remets la plante là où tu veux, et remets la table en maintenant Alt. C'est pas possible. Putain, je suis dépiant. C'est. J'adore ça. Non, ça sert à rien, c'est parce que j'ai trop joué au. Bah, tu sais quoi, il y aura rien sur la table, voilà. Voilà, il n'y a pas de fleurs. Il n'y a pas de fleurs. On est comme ça. Bah, tu m'as déçu. Hein. J'ai envie de dire, c'est pas moi qui ai voulu être décevant, c'est toi. Donc, à un moment, assume. Hein. Où est mon jacuzzi? Je veux mon jacuzzi. Oh, des sculptures. Il n'y aura sans doute pas mon jacuzzi dans les sculptures. Mon jacuzzi sera peut-être dans la baignoire. Ça fait. Oh! Ah oui! Ah oui, c'est massif! C'est énorme le machin! Le truc est gigantesque! Non mais il faudrait un jacuzzi un peu plus petit quand même. Voilà, ça, voilà, on est quand même sur quelque chose d'un peu plus raisonnable. On va quand même. Il n'y a pas de jacuzzi d'extérieur, il me semblait que. Attends. On s'appelle bain. Bah non, c'est normalement ça doit être là. C'est stylé, mais ça fait très intérieur ça. Hein. Si, mais c'est un kit. Ah. C'est dans les équipements d'extérieur. Là-dedans. Laisse-moi jacuzzi. Laisse-moi tranquille, jacuzzi. Ça, c'est les trucs. Ah, ou alors là, peut-être. Non, ça c'est la piscine. Après, je peux faire une petite piscine, hein. En soi. C'est pas un jacuzzi celui d'angle, du moins pas considéré comme. Regarde dans piscine. Décoration de fontaine. Putain, il y a des détails. Hein? Et un sticker de carrelage mosaïque. Oh là là, oui, ils font ça. Non, mais ils font ça bien, hein. Fontaine de fleurs débordant d'eau. Oh, c'est beau. C'est beau, mais c'est pas un jacuzzi, quoi. C'est plus prestige le jacuzzi. Bah, grave. Tu es dans fontaine, là, pas piscine. C'est. Ah oui. Bien vu. Mais j'étais tout à l'heure dans piscine. Y a pas de jacuzzi. Après, je fais peut-être une piscine, c'est peut-être le signe, hein. C'est dans baignoire et le seul gratuit c'est celui avec le toit. Ok, oui, c'est ce qui me semblait. Ouais, mais celui avec le toit il est gigantesque. Et si je le diminue, je suppose que les Sims pourront plus rentrer dedans. Si je fais que Coco là il a. Non, 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 calme-toi. Genre si je fais ça. Ça peut pas être un jacuzzi pour enfants, genre c'est. Après en vrai, je pense que je peux l'agencer pour que ça passe, hein. Genre, tu vois, genre, je le mets là. Bon, là, il déborde. Voilà. Et j'agence le truc ici, ça peut le faire, hein. En mode autrement, quoi, par contre. Faut enlever la table, mais... C'est-à-dire, le seul gratuit, les autres sont dans un... Ouais, il y a un pack, apparemment, ouais. On peut, hein. Garder le côté... C'est juste que ma véranda, tout rentre pas, quoi. J'avais beaucoup de projets pour cette véranda, mais à un moment... Ou alors, tu sais quoi, je pense que je vais faire un petit coin piscine. Je pense comme ça, je garde ma table. Je me bats pour cette table. Est-ce que vous remarquez à quel point je me bats pour cette table? J'y tiens. J'y tiens alors qu'il n'y a pas de raison, en fait. Vraiment. Il n'y a rien qui m'unit à cette table, tu vois. On ne s'est rien promis.
On n'a pas vécu deux choses ensemble. Y a rien, tu sais, mais... J'aimerais bien une piscine comme ça, là. C'est pas possible? Pourquoi c'est pas possible? Piscine carrée. Je me dis pas que je peux pas faire de piscine sur ma terrasse. Je comprends pas l'outil piscine personnalisée, par contre. Il me dépasse. Pourquoi je peux pas faire de piscine sur ma terrasse? Il n'y a pas besoin qu'elle soit grande. Alors si, mais sans élever les fondations. Ah mais du coup c'est pas drôle. Y'a rien qui va pour ce coin VIP. Mais si. C'est pas drôle s'il n'y a pas les petits escaliers. Non mais... Je vais mettre un petit jacuzzi. Et la piscine, je vais la mettre derrière. J'abandonne pas mes idées. On va mettre un petit jacuzzi. Bon, c'est un jacuzzi d'intérieur, mais... Oui, non, on va mettre jacuzzi quand même. Genre... Noir et blanc, c'est stylé quand même. Mais bleu, après, bleu, c'est pas mal parce que... Oui, non, ça, c'est moche. Hein. On va mettre un petit jacuzzi là. Ils peuvent aller à deux dedans ou pas? S'ils peuvent aller à deux dedans, ma soirée est sauvée. Sinon, une baignoire. Bah oui! C'est déjà quelque chose. J'aurais bien vu un truc plus mastoc, mais le truc plus... Non, mais en fait, j'aimerais un juste milieu entre ça et ça, quoi. C'est quoi ça? Non, mais c'est... Il y a un abus. Celui-là, il fait plus luxe, alors que paradoxalement, celui-là doit l'être. Ben remous. Oh, c'est pas mal, quand même, hein. Après, le bleu, il est vraiment laid, hein. Noir, il fait plus mystérieux. Bon, ça, si j'appelle pas vraiment ça noir, mais bon. C'est pas mal. Il y en a qui vont aller parler, t'as un gars lambda qui va scotter le jacuzzi et observer. Tellement. C'est tellement ça, en plus. Un tapis. Je vais mettre un tapis. Parce que j'aime bien les tapis. Il y a pas trop de tapis, normalement. Attends, vas-y, il y a quoi dans la... Niveau extérieur, je peux mettre une poubelle quand même. Bah non, on n'en est pas là. Mais je peux mettre un petit truc un peu... Une sculpture, genre. Un truc un peu... J'aurais bien vu des cordelettes, là, entre les poteaux. Comme j'ai vu tout à l'heure, là. Dans les lampadaires. Genre ça. Après, en vrai, au pire, j'enlève les poteaux et je mets ça à la place, hein. C'est quand même plus stylé. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même quelque chose, hein, là. Hein. Par contre, tout est immense. C'est... La mesure, ils connaissent pas, hein. On va faire ça, je pense. J'ai enlevé mes poteaux en bois, là, et je vais mettre les poteaux avec les loupiottes. C'est quand même plus charmant. C'est quand même plus cool, quoi. Non, pas bleu. Oh, quoique, bleu, tout est bleu. Ouais, mais c'est peut-être un peu trop bleu. Pour le coup. Il y a peut-être un poil trop de bleu, quoi. Non, mais là... Non. Ça a son charme, ça a son charme. Là, on dirait on va sacrifier quelqu'un, ça va pas du tout. Ah, là, c'est pas mal. Dans le sens bleu, mais pas trop, tu vois. Ça rend plus beau. Bah oui, c'est quand même plus sympa. C'est quand même plus sympa. Donc, si je comprends bien... Hop. Et là, hop, il y en a deux, mais on le voit pas. Regarde! Qu'est-ce que c'est chou! Est-ce que les autres trucs sont restés ou pas? Ah oui, ça c'est resté. J'ai arrêté de respirer pendant un petit moment. Ah, ah, ouh, ouh, tout va bien.
là? C'est quoi le tympan? Voilà, merci. Voilà. Oh là là! Oh là là, j'ai une bouffée d'air chaud là! Voilà. Bon. Parfait. Sublime. Ah. On revit. Eh, c'est quand même, hein? C'est quand même joli. Il manque pas un poteau. Ah! Bien, je l'ai supplié sans faire exprès. Ah non, je l'ai pas supplié sans faire exprès, je l'avais laissé. Bah oui, j'ai oublié un poteau. Bah alors? Et bah alors, Marcel? Il me semblait que je l'avais mis, mais... Ah mais non, oui d'accord, j'ai oublié de le mettre, mais les loupiottes y sont, c'est pour ça que... Voilà, oui c'est sûr que... Oui, bien vu. Sinon c'était un poteau invisible. C'est pas dingue. Heureusement il existe le tir retour en arrière. Oui! C'est clair. Bah du coup ma table en vrai, je peux lui remettre sa taille normale. Hein. J'ai envie de dire... Non mais elle est trop grosse cette table. La table elle m'obsède hein. C'est compliqué hein, d'être satisfait. Hein. Table basse, table basse, table basse. En plus c'est à quel moment c'est une table basse quoi. Je veux dire c'est ce truc là c'est un camion. On voit les ombres c'est joli. C'est pas des tables basses, ça c'est des tables normales. C'est pas... À la limite. Hein. Ou alors, je mets... Non, pas ça. Je mets un petit guéridon. Mais bon, un petit guéridon en plein milieu... Je peux mettre deux petits guéridons côte à côte, sinon. Hein. Ça, sur ça, c'est pas mal, merci, Monjou, qui offre un sub à Pot de Fleur, le meilleur. Merci beaucoup. Alors ça ne va pas. Par contre, si je change la couleur... Regarde un peu ça. Est-ce que si je fais genre... Ah, attends, tu vas diminuer un petit... Non, diminuer, on a dit. Genre, hop. Encore. Regarde, c'est pas mal ça. C'est un style. C'est pas ouf. Non, mais j'ai compris, c'est pas ouf. C'est pas... Il y a un truc, mais... Non! C'est rigolo, je sais, mais il faut se tenir un moment. Comme ça, peut-être. Je cherche, hein. Ça le fait pas. Ça, c'est joli. À un moment, je vais comprendre hein, que... Ah oui, il y a un truc dessus. Ah oui, donc je peux absolument pas le changer de place. Ça, c'est pas mal. Sinon, attends. En fait, je pense que je prends le problème dans le mauvais sens. Je pense que c'est parce que j'essaie trop de faire un truc. Genre, attends. Là, c'est le parlant qui se met là, tu vois. Hop, entre les deux loupiottes. Et les gens viennent lui faire la révérence. Et puis là, t'as les petits amoureux, là. Du coup, au milieu, c'est quand même sacrément vide, hein. Je peux mettre un grand tapis rond. J'ai dit grand. Ça fait tellement une pièce de maison là. On enlève. Non, 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 non. Mon truc était mieux. Mon truc était mieux. Je pense que c'est peut-être le fauteuil qui. Que j'arrête d'avoir tout le temps la main sur le machin. Ça casse. C'est compliqué. Hein. Et à la limite, c'est quoi? Je vais mettre un petit guéridon à côté, mais vraiment petit. Comme ça, s'ils veulent poser leur verre, ils peuvent. Genre un truc, tu sais. Mais celui-là, il est compliqué niveau guéridon. Le bain sera pas utilisé. Pourquoi? Les Sims n'utiliseront pas le bain à remous car c'est considéré comme un bain et pas un jacuzzi et ils mettent pas à poil devant une autre personne que leur compagnon. Ah oui, c'est vrai. Ah mais le problème, c'est que ils ont... j'ai pas de jacuzzi et je peux pas faire de piscine. Ou alors, ouais, je baisse la hauteur, hein, tant pis. Mais c'est dommage, c'était drôle. J'aimais bien mon idée. Parce que ça c'est. Après, ça, c'est joli, ça. Hein.
En bleu, j'aime bien cette couleur-là en plus. Oh, stylé! Vas-y, attends. J'abandonne pas mon canapé, j'abandonne pas. Don't worry, don't worry. Là, ça fait vraiment genre le... C'est... Gloire, mon jacuzzi de luxe! Là, c'est the jacuzzi, quoi. Là, c'est le luxe absolu, tu vois. En vrai, bon, du coup, mon canapé sert plus à rien, mais... Tu peux, mais pas avec les fondations, en allumant la plateforme avec les flèches. C'est hyper frustrant d'expliquer dans le chat, mais je galère. Non, mais j'ai compris. Je peux avoir un jacuzzi, mais il faut que je baisse les trucs ici. C'est tellement parti dans tous les sens depuis le début. Mais oui. En vrai, j'aime bien. Et je vais faire le coin piscine ici. En vrai, c'est stylé. Là, c'est le jacuzzi du patron du parc. De ouf. Par contre, alors je veux pas critiquer, hein. C'est pas mon genre, mais ces toilettes sont à chier, voilà, je l'ai dit. Je peux pas te décaler. Est-ce que je peux pousser une pièce en entier? Je sais pas si ça marche que je... Oui! Oh, j'aime ma vie. Oh, magnifique! I like it. Voilà. Voilà. Si tu veux aller aux chiottes, tu vas au bout. Ouais, c'est plus cohérent. Et là, je mets la piscine. Ouais, ma gueule. Là, on va avoir une piscine. Tu passes une piscine à 1 mètre de la mer. Alors, je te signale que ça se fait beaucoup dans les hôtels de luxe, hein. En ce moment, je suis en train de regarder une émission de... Bon, les fougères, on verra après, hein. Je suis en train de regarder une émission de gens qui visitent des chambres d'hôtes, là, de luxe à travers la planète, là. Et bah, il y a énormément de piscines en face de la mer. Énormément, hein, d'abord, hein. Je te ferai lire, hein. Donc, hein? Moi, je suis les demandes des gens. Je suis les demandes de ceux qui ont du pognon, quoi. En fait. Piscine carrée, piscine carrée, piscine octogone. Alors, on va arrêter avec les formes cheloues, hein. On va rester dans le carré. Attends, oui, alors. Très bien. Voilà, on est très bien là. Oh, cette piscine! Je crie. Oh, tu te rends compte, quand je vais déménager, mes voisins vont péter un câble. Parce que là, je suis pas... C'est un peu proche des escaliers, là, quand même. Hein. Là, tu peux un peu mourir facilement, quand même. Hein. On passe mytho. Hein. Je disais, là où je suis, ça va, on m'entend pas trop. Mais alors, en déménageant... On va mettre une échelle de piscine. Oh, noir et gris, noir et blanc, c'est stylé. Noir et blanc, c'est stylé. Ça me tue tellement de recherches poussées, d'analyses de terrain de différentes tailles pour les objets et d'une réflexion intense pour trouver une petite table, des canapés et des fauteuils assortis pour au final tout enlever et mettre un gros jacuzzi à la place. C'est vrai. Mais regarde, je garde mon canapé. Je vais le garder, mon canapé. Je vais le garder. On va faire un petit coin sympatoche. On va mettre un fauteuil flottant. On peut mettre des formes cheloues différentes ou c'est forcément une pizza? Oh, on va mettre une tortue. Ah non, c'est un sticker. C'est pas fou, ça. Hein. Sticker de carrelage. Oh, bah bien sûr, soyons dans le luxe. C'est quoi ce... Je peux pas prendre pile poil la taille de ma piscine? Qu'est-ce que ce truc? Ah, tu peux pas faire carré par carré. C'est un peu nul. J'aurais pas dû le poser. Non, c'est bon, j'ai récupéré. Attends. Je sais ce que je vais faire. Non, l'autre sens. Allez, c'est trop grand. Ah, oh, cul de fax. T'as me courrousse. Ah, éclairage de piscine, bien sûr. Parce que c'est bien de pouvoir voir la nuit quand on se péchote dans l'eau. Une ici. Deux là. Elle est belle, ma piscine, hein? Bah oui, go foutre un canapé avec des coussins en tissu près de la piscine. Il y a mes voisins, ils ont peut-être probablement entendu la musique du sens de la piscine. Ah bah ouais. Attends, est-ce que ça marche de nuit? Oh, regarde! Oh là là, ça va tellement se pécho dans ma piscine.
Ça va tellement se pécho dans ma piscine. Par contre, le sticker là, il m'échappe, hein. Je comprends pas la logique du truc. Qu'est-ce que je fasse avec ça? Pourquoi ils sont préfaits les stickers? C'est pas à moi de m'adapter à la taille du stickers. C'est le stickers qui doit s'adapter à moi. Des petits stickers de tortue, ok. Alors ça c'est l'apparence de l'eau. Ça c'est de l'eau dégueulasse. Ça c'est de l'eau dégueulasse. Ouais, bah, qui va utiliser ça? Ah non, c'est source chaude. Ça c'est de l'eau normale. Et ça c'est du lait, de l'eau rêve. Ça c'est de l'eau quand t'as un peu trop fumé de la cigarette, bien sûr. Vraiment, je me vois vivre ma meilleure vie dans cette piscine. Bah normal. Normal. Maintenant, ça me frustre un peu le côté du truc du sale là, hein. C'est cul ça. Parce que je peux pas l'adapter exactement. Rends-le-moi. Non, c'est pas toi que je veux, c'est le stickers. C'est stickers. Je veux le stickers. Rends-moi mon sticker. Ah bah attends, je suis con. Tout va bien. Je contrôle la situation. On enlève l'échelle après que les Sims soient rentrés dedans. Elle est belle ma piscine, hein. Bordure de piscine. Ah bah bien sûr. Ce que c'est. Rien à modifier. Ah! Oh! Oh! Nous avons de la piscine de luxe! Oh là 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 là! Bordure de piscine en marbre. Non mais ça reste. Alors, je sais que ça n'en a pas l'air, hein, mais ce bar, c'est un bar du peuple. Il faut rester. On va pas mettre des moulures en marbre. C'est pas. Non! Non. Ancienne, par contre, c'est pas déconnant. En bleu turquoise, c'est joli comme ça. Oh, ça fait un petit charme. Ah, oh, j'aime bien. J'aime bien. Ouais, c'est sympa. Ouais. Ouais, c'est sympa. Ok, c'est nice, c'est cool. Bon, maintenant, il me faut mon petit. Je veux ce canapé sur ma. Hein? Ce canapé, hein? Il me. Hein? Il me chamboule, hein? On a qu'à faire croire que c'est du faux marbre. Ah, mais ce canapé. Mais au final, du coup, il me plaît plus. Enfin, j'adore ce canapé, mais là, il va pas. Ça me chamboule. C'est le canapé de ma vie et je lui fais une infidélité sans le savoir, quoi. Sans le vouloir vraiment. Non, on va pas mettre un banc de street art, là. Regarde, ces couleurs, c'est pas le même, je sais, t'emballes pas. Mais, non, mais c'est joli les canapés. Où sont les sofas de jardin sinon? Ah oui, c'est ça là. Ah bah si, c'est le jardin! C'est fait exprès pour le dehors. Oh, c'est magnifique. Alors, du coup, je vais peut-être prendre. Alors, je vais poser celui-là. C'est le même, hein, c'est juste la couleur. On va en prendre deux. Comme ça, ils ont bien de la place pour se reposer. C'est important de se reposer. T'as raison que des chaises longues, ce serait pas déconnant. Vous êtes pas con, hein? Non, non, vraiment, y a de l'idée, hein? Alors après, il y a les chiottes juste à côté quand même, donc bon. On va peut-être pas partir sur. Une petite chaise longue là. C'est un peu moche comme motif, oui, c'est vrai. Ça fait un peu plastique. Nous, on veut du healthy, on veut du. De l'authentique. Putain, bah y en a là des guéridons. Mais nique-toi. Putain, depuis tout à l'heure, je cherche des. Le prends très bien. Vraiment, pas de problème. Je le vis très bien. Très heureuse. C'est pas comme si je cherchais des guéridons depuis 1 heure et demie. Pas de problème. Oh, c'est assorti au fauteuil. Alors, on va te mettre là. Est-ce que. Ah, attends, parce qu'il faut qu'on puisse circuler quand même dans cette histoire, hein. Et là, il y a l'échelle. Alors, tu sais quoi, l'échelle, je vais la bouger. L'échelle, je vais la mettre là. Non. Je vais la mettre là. C'est plus loin. Oui, mais ça se mérite d'aller se baigner, hein. Voilà. Et je vais remettre un petit clap-clap ici. Voilà. Ça, on va reculer. Voilà. Comme ça, les gens peuvent passer. C'est important quand même de pouvoir circuler, hein.
Ils peuvent passer là, voilà. Ils peuvent aller du jacuzzi à la piscine. Tranquille. On sent que le jeu Sims t'aime bien, il te le rend bien. Des nattes sur le sable. C'est où ça, une Jean-Jaquette? J'aime bien ton pseudo. Alors du coup, je vais mettre un petit guéridon. Voilà. Genre ce que je cherche depuis tout à l'heure, en fait. Ça me fume, hein. Un petit peu quand même. J'aurais bien mis un peu plus là. Hop. Comme ça, je vais mettre une petite fleur dessus. Je peux réaliser mon rêve. Moi, j'ai un rêve. Tu pourrais mettre des objets comme des boissons dessus. Non? Oh, c'est pas con. Alors, ça, c'est pareil, c'est un truc que j'utilise absolument jamais. Les décos de bordel, en fait. Qui rendent quelque chose de plus authentique. C'est vrai que j'utilise pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Après, il y a des trucs bizarres. Un bar, piscine, jacuzzi, ce serait quand même vachement cool dans la vraie vie. Oui, c'est vrai. Tiens, je le mets dans l'eau. Attends, attends. On va mettre ça là. Ça, on va le décaler. Et on va mettre. Il y en a d'autres. Attends, plus grand, plus grand. Attends, bah je suis con, je peux l'agrandir. Attends, attends. Panique pas. Reste là, te noie pas. Oui, alors. Un peu exagéré quand même. Mais lui, mais on dirait qu'il se noie aussi, quoi. Mais là, c'est trop grand. On va mettre ceux-là, ils sont mignons. Ah, j'adore. Ah, cette piscine! Je tourne la tête de mille, je reviens, je vois ça, je m'y attendais pas. Oui, je sais, hein, ça surprend. Hein. Mais oui, mais en même temps, c'est le charme! C'est le charme! C'est mignon, c'est cute! Regarde, tu te baignes, t'as ça! Ça éclate les gosses en plus! T'as même pas besoin de t'occuper d'eux! Personne n'a. Non, mais de toute façon, tu vas pas copuler dans cette piscine-là, c'est une piscine d'un bar! Et donc oui, c'est pour ça que je vais jamais dans ce truc en fait, je comprends pourquoi. Hein. Voilà ce qui se passe quand j'y vais. Voilà. C'est vous qui m'avez dit, hein? Posez en prendre qu'à vous-même. Une petite corbeille. Non, on va pas mettre une corbeille de fruits. En fait, y a pas grand-chose. J'ai juste fait ma connerie en fait. Ça m'a juste servi. Oh, j'adore! C'est trop bien! I like it! Alors, attends, pour les gamins, qu'est-ce qu'il y a? Non, parce qu'on sait jamais, hein, au cas où ils s'ennuient. Si je jouais pour les enfants. Tu sais, pour l'enfant du gars qui a voulu me pécho, là. Oui, alors après, c'est pas un square non plus, le bordel, hein, mais. Non, j'avoue, je vais laisser le guéridon vide pour qu'il puisse mettre les verres. Et qu'est-ce que vous m'aviez dit, du coup, tout à l'heure, pour le sol, que ça pouvait être sympa? Donc ça c'est le sable, le béton, oui, très sympa le béton. Très sympa le béton, hein. Mais des peluches. Ne t'énerve pas sur le guéri, je sais plus quoi, tu l'aurais effacé comme tout le reste pour mettre le jacuzzi. J'avoue, en même temps, hé, je suis désolée, mais c'est quand même super méga giga trop classe, hein. Du coup, je me tâte à faire... attends, du coup, attends, si je mets les toits... Je pourrais faire un... Non, ça fait trop de trucs après. Le trop est l'ennemi du bien. Hein. Je dis ça après avoir mis ça, tu noteras. C'est. Moins glamour. Oui, mais c'est. En fait, ça. C'est l'histoire de ce bar. Je suis en train de réfléchir à l'histoire. Je vous explique ça dans 5 minutes. Alors, est-ce qu'il y a des. Vous m'avez dit de mettre des trucs de paille. Sur le. C'est quoi les trucs de paille? Je vois pas, hein. Tu peux mettre un sol au fond de la piscine si tu veux, comme dans une pièce. Ah oui, ça c'est pas con. Genre ça. Ouais, mais du coup, c'est pas très beau. Mais ouais, c'était une bonne idée, ça. Hé!
Ça fait très piscine. Qu'est-ce que t'en pensais? Le bar va devenir piscine, jacuzzi, endroit pour pécho, boîte de nuit, endroit pour occuper les enfants. Très vieille piscine municipale dégueu, mais oui. Oh! Tout de suite! Bon, d'accord, voilà. Attends. Non, mais là, ça fait ciment. En même temps, j'ai une eau turquoise, hein, ça n'aide pas. Comme ça, c'est bien, ça fait propre, écoute, hein. Je sais pas. C'est un fond, quoi. Je sais pas. Ah, je peux aussi en mettre sur le côté? Ah non, j'ai cru. Des nattes sur le sable, il me semble. Oui, mais c'est où ça? RIP au fauteuil d'angle qui était là tout au long du tout début du parcours et il nous a dû nous quitter. Ah oui, c'est vrai. C'est une belle piscine, elle est belle. Du coup, c'est quoi les nattes sur le sable? Je veux savoir, nattes. Y a pas de nattes, hein. Ça s'appelle pas comme ça en tout cas. C'est l'atomique, tu sais bien qu'il faut jamais me laisser. Si tu me quittes du regard, voilà ce qui se passe. Oui, c'est vrai, Gigi, il y a un air. Il y a clairement un air. Alors, est-ce que vous me confiez votre baraque en relooking ou pas? En vrai, je mets de l'âme là-dedans, tu vois. Par contre, la poubelle en plein milieu du chemin, c'est concept, hein. Clairement. Attends. Je vais juste déplacer un tout petit peu. Voilà. Et la poubelle, je vais la foutre là, hein. Non mais la poubelle, sans déconner, on met pas la poubelle. Satisfait, remboursé. T'as vu Yuri-chan? Regarde ma piscine, regarde ce que j'ai mis dedans. C'est trop mignon! Non mais à part ce détail qui est clairement un point de vue artistique, ok, assez penché, assez perché, mais personnel, somme toute. En soi, à part ça, on peut quand même noter que j'ai ajouté ce magnifique petit coin à jacuzzi avec ma première terrasse de toute ma vie. Hein, et j'ai fait ce petit coin piscine, pas piqué des hannetons. Bon, ok, ça, je vous dis, ça, c'est liberté artistique personnelle. Mais le coin piscine, à part ce détail, est quand même fortement sympa. Quand même. Quand même. C'est. Voilà, après, j'ai pris quelques libertés, certes, mais en même temps, that's the point, tu vois. J'ai pimpé le bar, on se faisait chier ici. On se faisait chier, il n'y avait rien à faire. D'ailleurs, je voulais voir un truc karaoké, c'est ça que je voulais voir à la base. Quand vous me direz c'est quoi les nattes, hein, me tenez au courant. Une machine à karaoké, regarde ça. Est-ce que ça mettrait pas grave l'ambiance? Popo! Bon, du coup, on n'est plus trop sur de l'entrée de gamme de bar, hein, on est d'accord, mais. C'est un bar, quoi, je veux dire. Là, il y a quoi? Il y a juste une petite télé. Regarde, il y a juste une télé. Pourquoi il y a une télé? Une télévision de merde! C'est pas possible! C'est pas possible! Si je te laisse t'occuper de ma maison, je reviendrai avec un salon rempli de peluches et de mascottes géantes. mais non, je m'adapte à la demande du client. C'est un bar du peuple, oui. C'est vrai que là, bah, c'est un bar du peuple. Cosy. C'est sûr qu'il est pimpé, c'est même plus un bar. Mais si! Mais si, mais il faut se dire que dans l'île, on s'emmerde, quoi. Je veux dire, il n'y a rien à faire, hein. À part la mer, et au bout d'un moment. Je viens de voir, les clients vont poser où leurs affaires lorsqu'ils vont aller au jacuzzi? Bah, par terre. Eh, c'est un bar du peuple ou pas? C'est un bar du peuple. Et en plus, ils sont toujours foutus en maillot de bain. Donc, en soi. J'ai envie de dire. Tiens, attends, j'ai pas regardé de nuit ce que ça donnait. Oh, regarde, mes loupiottes, comment ça rend trop bien. Et puis là, avec mes petites loupiottes dans. Ah non, mais franchement, je suis très fière. Je vais peut-être mettre des petites loupiottes ici aussi, d'ailleurs. Avant de repenser à mon karaoké, là. Petites loupiottes d'extérieur, genre. Oh là là. Oh, ça, c'est laid, ça. Ça, c'est très beauf. Ça. Ah bah tant mieux, 8 janvier était. Tant bien. Bah, c'est sûr qu'avec cette apparence, on se fait plus chier.
Non, alors non. Non plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des trucs bizarres quand même. Ah, ça, c'est les torches. Ils sont pas ouf les torches, hein. Je suis désolée, c'est vraiment pas dingue. Et ça donne quoi du coup? Ça, c'est vraiment laid, hein. Ça, je cautionne pas, hein. Ah, moi, je suis du peuple, mais j'ai quand même un peu de goût, tu vois. Non, on a dit qu'on arrêtait avec les lampions, ça fait trop de lampions après. Même si c'est tentant. Waouh, c'est beau, mais c'est trop gros. Et puis, c'est pas ce que je visualise. Discret. Dirait un présentoir choupa-choups. Mon envie d'avoir les chines, c'est de mettre un jacuzzi dans ma baraque. Je comprends. Je comprends. Merci pour le follow, Evipika. On dirait les lampes dans les parkings. Oui, c'est vrai. Non, mais là, ça fait vraiment ambiance maison, quoi. Et puis, t'as ça qui te regarde, donc tu baisses pas. Donc, ça te frustre, donc les clients viennent pas. Donc, non, c'est pas intelligent. Loupiote. Loupiote. J'ai bien trouvé quelque chose. Oh, que c'est mignon, ça. Oh! Ah non, je pensais que c'était sur l'eau. Je peux le mettre sur l'eau. Ouais, mais c'est un peu dangereux, peut-être. Hein. C'est dessus ou dessous, là? Oh! Mais ça, c'est trop beau. Mais c'est trop joli, ça. Oh, j'adore. Ah oui! Ah oui! Ça, en plus, ça illumine la tête de mon lapin. Eh! Des loupiottes sur l'eau. Vraiment, eh! C'est trop joli, hein! Maintenant, du coup, bon, j'ai toujours mes lampadaires, là, au pire. Ah, cela dit, ça éclaire pas mal. Puis ça fait une petite continuité avec, avec là-bas, quoi. C'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Bon, on va en mettre un là, histoire d'éclairer ceux qui veulent aller se baigner. Oui, parce que là, ils sont quand même dans le noir assez vénère. Hein. Eh ben, nickel! Bon, j'ai fait la con avec les trucs géants, mais... À part ma bêtise... Sans les créatures chouchou, ce serait vraiment stylé, mais là, c'est un mélange de style de piscine pour enfants, c'est spécial. Est-ce que je les enlève? On fait un sondage. Est-ce que j'ai un modo qui peut faire un sondage? Oui, j'ai eu. Bah oui, j'ai plein de modos. J'ai plein de modos magnifiques. Les lapins et les bougies dans une piscine, c'est un peu connoté, non? Un sondage, si là, pour demander si je retire ou si je garde les animaux dans ma piscine. Oh, attends, je veux juste pour le plaisir là. La Disney peut se rhabiller, hein. Voilà, pardon, ça m'a dit diversion. Par contre, c'est moi ou genre il n'y a pas de lumière dans ce bar? Merci Virginie! Oh là là, que le temps passe vite. Bon, y a plus la voix Google, du coup je peux pas mettre mes accents circonflexes. Tu m'as fait acheter ce DLC pour faire que mes Sims se pécho à la plage et créer des sirènes diaboliques qui noient les gens. Moi cruelle, oui. Bah oui. Tu es cruelle Virginie, mais c'est comme ça qu'on t'aime. Il me faut des loupiottes du coup dans le bar aussi. Parce que là, dans le bar, je sais que c'est le peuple, hein, mais ils ont quand même besoin d'un peu de lumière. Genre, là, il n'y a rien. Là, c'est l'abandon total de lumière. Mais comme je suis nouvelle, donc je sais pas comment ça marche les sondages. C'est juste au-dessus du chat. Vous devez voter. Oh, ça fait un peu coquillage, ça. Ça éclaire bien, ça, hein? Je sais pas si ça fait luxe ou coquillage. Je suis partagée. Je crois que t'as une vidéo qui sort dans 10 minutes. Mais oui! Et même pas où on me le dit! Oh mon dieu! Du coup, est-ce qu'on regarde les animaux ou pas?
Ah, il y a majorité qui l'enlève. Majorité a voté. J'enlève mes animaux. Au revoir, Amtaro. Au revoir, Lapinette. Et on est donc sur une ambiance quand même beaucoup plus vendeuse. Hein. On va pas se mytho. Vous inquiétez pas, ils reviendront. Donc du coup, ouais, mes coquillages, là. Mais par contre, ça fait pas trop du peuple, ça, si. En fait, j'arrive pas à savoir si ça fait bourgeois, genre carrément noble, en fait, ou si ça peut passer en création artisanale. Vois ce que je veux dire? J'arrive pas à savoir. I don't know. Oh, ça fait pirate! On parle là-dessus, je m'en bats les couilles du coquillage. Oh, c'est trop beau. Bon, le ventilateur, par contre, on va le mettre là. On va dire ils ont besoin de ventiler. Par contre, effectivement, j'ai une vidéo qui sort dans 9 minutes. Ah, j'ai pas fini. Il me manque des lumières. Il me manque des lumières. Il me manque des lumières. Au secours! Au secours! Je panique! Non, panique pas. Panique pas, je panique pas. Éclairage. Je veux des loupiottes, des murs. Parce que là, regarde. C'est pas foufou quand même, hein. Je pense qu'on n'a pas fini notre mission, hein. Ça, c'est moche, en fait, j'enlève. Ils auront pas d'air, c'est pas grave. Ils dessécheront. Tu vois, y a de l'idée, mais... Mais, y a une note sûre. Je sais pas s'ils pourront passer avec le lustre. Monsieur! 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 Easy! Easy peasy. Ça, c'est pas très très beau. Mais oh, ça a son petit charme. En fait, c'est juste que derrière le bar, ils me font de la peine, ils voient rien. Ça, c'est plus sympa, peut-être. Voilà, c'est un peu plus lumineux quand même. Quand même. C'est vrai que le lustre est bas, mais... Non, mais ça passe, là, un être humain. S'il fait une taille standard, il passe. On a plus de lumière. On est déjà... Ah, franchement, c'est un bon travail. Ah oui, Shiryu. Ouais, non, mais j'avoue, faudra refaire le papier peint et le sol aussi, je pense. Hein. Mais du coup, ce sera pour une prochaine fois. Clara, c'est trop mignon. Ah, mais franchement, il a glow up ou pas le bar? Attends, j'oublie pas de sauvegarder, ça serait quand même très con. Je suis assez satisfaite. Bon, après, le bar en lui-même, voilà, ça fait un peu miteux, hein, mais... Ça, c'est pas ma faute. Mais... Pourquoi il y a un toit? Ah, c'est le toit des chiottes! Attends. Bah, t'as pas bougé avec les toilettes, toi. Bah, t'es un petit peu con, Émile. Ah bah, c'est un concept, ça aussi, tiens. Attends. Pourquoi le toit, il... Le toit a bougé. Mais le toit ne fait pas du tout la bonne taille. Attends. Hop, voilà. Voilà, bah heureusement que j'ai vu ça. On avait un toit qui se baladait. Oui, attends, par contre, là, il est un peu grand de ce côté-là, du coup. Diminue. Voilà, bravo Auguste. Avec la petite poubelle toute moche à côté. On a encore du travail. Mais il y a quand même... Tu vois? Un petit kiff. Au moins, sans toi, il y a une bonne aération. Oui, c'est vrai. Allez, les enfants, je vous laisse là. Du coup, il y a une vidéo qui sort dans 7 minutes. On se retrouve bah, demain pour un stream, sans doute, forcément, puisqu'on se quitte jamais bien longtemps. Je vous fais plein de bisous. Je me suis éclatée, je dois dire. Pour demain, il faut que je teste de remettre plus de trucs derrière pour mon réglage. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, vous pouvez rien y faire. Je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas de regarder la vidéo dans 6 minutes maintenant. Je vous aime très fort et puis à demain! Et merci pour ce magnifique moment. Je me suis beaucoup amusée en votre compagnie. Et n'oubliez pas de prendre des douches. C'est important de prendre des douches. Lavez-vous bien. Et n'oubliez pas de laver sous les pieds et le nombril. On oublie trop souvent ces zones-là, c'est important. Bisous!